Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et comme vous pouvez le voir, je vais ouvrir des boosters de la nouvelle édition Épée et Bouclier Astre Radieux. C'est une édition EB10 qui est sortie donc le 27 mai 2022 et donc on va ouvrir ces trois boosters pour découvrir les cartes de cette nouvelle édition. Alors j'ai pu récupérer quelques boosters sous blister, bon. C'est toujours pareil, c'est assez difficile d'en avoir, c'est dû aux raisons des ventes suivant les quotas. Bon, bien sûr, j'ai pas été non plus jusqu'à rentrer trois fois dans le même magasin pour acheter un grand nombre de boosters. J'ai joué le jeu aussi et donc j'ai pu récupérer trois boosters de cette nouvelle édition. Allez, c'est parti, premier booster. Alors je vous fais une ouverture, vidéo d'ouverture comme je le fais d'habitude, et vous aurez aussi une vidéo d'analyse et de statistiques de cette ouverture pour vous donner un ordre d'idée. Alors les amis, voilà la nouvelle édition Astre Radieux EB10. En premier, le code pour le JCC Online, c'est gratuit. Je vous le donne pour ceux qui souhaitent jouer en ligne. C'est pareil, hein, premier arrivé, premier servi. Allez, on va découvrir le nouveau logo de cette édition. Le logo de cette nouvelle édition qui est ici en bas à gauche. Et voilà, donc c'est une édition. Il y a 189 cartes différentes. Il y en a plus que ça. Comme vous le savez, c'est 189 cartes numérotées. Mais il y a aussi beaucoup de cartes ultra rares qui vont au-delà de 189. Alors, première carte, c'est Érissandre. C'est une commune, la numéro 23. Caninos de Issui, c'est une commune, la numéro 70. Insécateur, la commune numéro 4. Archéomyr, la commune numéro 111. Furéglon, commune numéro 131. Créelf, c'est la première peu commune, la numéro 65. Deuxième peu commune, c'est un dresseur Plume Ball, la numéro 141. Ensuite, on a la troisième peu commune, c'est Chaffreux, la numéro 128. Ça permet de découvrir toutes ces nouvelles cartes. Enfin, trois boosters, ça permet d'avoir, j'espère, 30 cartes différentes. L'énergie a encore format d'énergie qui ça ressemble à une planète comme pour la dernière édition. La Reverse Yanma, c'est une commune Reverse, la numéro 6. Et la première rare, les amis, de cette nouvelle édition. Toc! Oh! Un dresseur holographique rare, Nashara, la numéro 147. C'est pas une carte ultra rare, mais c'est une carte holographique rare dresseur. Bon, c'est mieux que rien. Après, dans les boosters comme ça, c'est aléatoire. C'est-à-dire que je peux éventuellement ne rien avoir, un peu comme dans les produits. Mais dans les produits, il y a souvent quand même le cas d'avoir une carte au moins sympa, comme une ultra rare. Là, dans les boosters aléatoires, c'est simple, hein, je peux très bien taper 15 boosters de suite sans rien du tout, si j'ai pas de chance, hein. Allez, deuxième booster. Donc, hop. C'est parti, on est parti pour ce deuxième booster. Mais bon, déjà c'est bien, c'est sympa d'avoir pu avoir une carte holographique rare en premier. C'est plutôt pas mal. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a? Alors le code pour le JCC Online pour ceux qui souhaitent jouer en ligne, le voilà. Hop, et on est parti. Pour ce deuxième booster, les amis de cette édition Épée Bouclier Astre Radieux, avec en premier Chlorobulle, la numéro 15, commune, la commune 15. Peut-être isoler les cartes qui sont un peu plus intéressantes. Voilà, allez, c'est parti. Goupilou, la commune 103. Hippopotas, la commune 79. Hérissandre, la commune 23. Oh, ben je l'ai eu dans le premier booster. C'est pas de bol, j'ouvre trois boosters et en deux boosters, j'ai déjà une commune en double. C'est dommage. Willfish de Isui, la commune 89. On arrive aux peu communes.
Très fadet, première peu commune, la 67. Chaffreux, le numéro 128, je crois que j'ai eu aussi. Ah, j'ai pas de chance, je l'ai eu au booster précédent. Pas de chance, hein, les amis, là. Scalproie, la numéro 116. Allez, maintenant, on arrive à la carte énergie. Énergie feu. La reverse. Oh, Régis, c'est une rare reverse, la numéro 37. Écoutez, bon, c'est bien en deux boosters aléatoires comme ça. Une holo rare et une rare reverse. Et la rare... Non, c'est une blague. Oh, bah non. Oh, les amis, regardez, j'ai pas de chance. Deux fois, j'ai eu l'holo rare Nashara, la numéro 147, en deux boosters. Oh, mais c'est vraiment pas de bol. Alors là, faut le faire quand même. Dans ce deuxième booster, il y a eu quand même beaucoup de cartes que j'avais déjà eu dans le premier. Alors déjà qu'on est limité dans le nombre de boosters achetés, si dans les boosters qu'on achète, on se retrouve avec 3 ou 4 cartes identiques, alors c'est quand même pas de bol. Parce que là, j'ai eu Chaffreux que j'avais eu ici, donc je l'ai deux fois. C'est incroyable. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Hérissandre. Elle est où, Hérissandre? Là, voilà, je l'ai eu deux fois. Non, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il n'y en a pas une autre que j'aurais eu deux fois? Je regarde vite fait. Yanma, non, 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 voilà, donc ça fait 3 cartes en double, donc faut le faire quand même, surtout la carte Holorare, ça c'est vraiment, vraiment pas de chance, bon, après bon, si les côtés un petit peu, ça peut être intéressant, mais je suis pas sûr lors des sorties, les cartes sont pas super, super bien cotées, après, faut le faire quand même, acheter des boosters aléatoires comme ça. Allez, le troisième booster de cette vidéo, première vidéo sur la nouvelle édition épée bouclier Astre Radieux EB10. Alors, me dites pas que je vais pas avoir Nashara une troisième fois, parce que alors là, ça serait carrément hallucinant. Allez, c'est parti. On a le code pour le JCC Online. Pour ceux qui souhaitent le récupérer, c'est gratuit. Après, bon, écoutez, c'est l'ouverture, c'est comme ça, c'est le hasard. Je vous dirai tout dans la vidéo d'analyse. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Ce que j'ai obtenu. En sachant qu'un booster, ça coûte 6 euros à peu près. Après, ça dépend du magasin. Où vous l'achetez. Allez, j'espère avoir au moins des cartes différentes, parce que déjà qu'en 3 boosters, j'aurais eu 30 cartes, j'en ai déjà 3 en double. Et quand même pas de bol. Farfuret de Isui. La commune 92. Feu Forêve, la commune 58. Barloche, la commune 35. Un sécateur, bah en double encore, la commune 5. Mais il faut le faire quand même, c'est incroyable. Évolue, la commune 119. Bon, allez, on arrive aux peu communes. Kirlia, la peu commune 61. Bélila, un dresseur, la peu commune 159. Et Piolet, courageux, la peu commune 145. Bon, c'est déjà un peu mieux. C'est des cartes un peu plus différentes. Allez, on a énergie électrique. Allez, la reverse, tac! Feu Forêt, la commune River 58, et je crois que je l'ai eu en plus. Il me semble l'avoir déjà eu. En version normale, je suis pas sûr, elle est là. Voilà, la version normale. Donc j'ai les deux versions, la version normale et la version reverse. Allez, la rare. Tac. Oh, c'est une blague. Les amis, c'est une V-Star. Oh, je sais pas ce que ça vaut pour l'instant. Et en plus, c'est Darkrai V-Star. J'ai juste pris 3 boosters au hasard, je me retrouve avec 2 Nashara, alors c'est incompréhensible, et une Darkrai V-Star. Alors là les amis, ouh, et bah écoutez, je vous donne rendez-vous dans la vidéo d'analyse de cette ouverture, je vais croiser les doigts pour que ça soit une super carte, bien cotée, et comme ça bah, je vous dirai tout, en tout cas je suis bien content de pouvoir vous présenter une telle carte. Là c'est l'ouverture de 3 boosters aléatoires, je suis allé en magasin, on m'a dit c'est limité, vous pouvez pas en avoir plus, je les récupère, je les ouvre pour vous montrer, je me retrouve avec des cartes en double dans les deux premiers boosters, c'était incroyable, dont l'holo rare, et je me retrouve avec Darkrai V-Star les amis. Et ben ça c'est une belle découverte, voilà, je suis bien content là d'avoir pu faire cette vidéo et de vous présenter cette carte, et puis elle est belle, hein. Elle est magnifique, il y a l'œil qui brille, voilà une V-Star. Et ben voilà les amis, et ben je vous donne rendez-vous pour la vidéo d'analyse de cette ouverture, parce que là je vous dirai tout sur ce que j'ai obtenu. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.